Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Ici donc la Team Dada avec Omar Da Fonseca à mes côtés au programme de cette première journée de phase de Coupe du Monde. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Et voici la compo de l'équipe allemande. Leur principal atout, c'est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffante. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. Ouais, c'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. Et parlons un petit peu du niveau de jeu, parce que les Allemandes sont toujours très fortes. C'est peut-être la meilleure nation au monde avec les États-Unis. La recette, c'est peut-être simple. Hein. Un championnat bien structuré, un vivier important, des moyens et puis le public au rendez-vous. C'est sûr, avec tout ça, ça fait une sélection redoutable depuis de nombreuses années. Alors, la compo de départ pour la Colombie. Une formation assez classique avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. C'est parti pour ce match de Coupe du Monde. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Ouais, bien défendu, sans faute. Magoul. Bull, oui, sans commettre de faute. Bedoya. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Le corner à suivre. Le corner, le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Ouh, il est manqué ce dégagement, attention, ce n'est pas terminé. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Olé, le bon mouvement. Allez, devant le but, il faut frapper. Bon geste défensif, mais c'est pas fini. Oh là 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 là, le but sur cette tête plongeante. Qu'est-ce que c'est bien joué. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Donc à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond du filet. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Montoya,
Ramirez. Banegas. Pas bien joué, mal défendu, faute. L'arbitre donne le coup franc. Ouais, une bonne intervention pour empêcher le centre. Et un arrêt qui fait du bien. C'est bien parti pour ce corner. À la parade, mais le danger est toujours présent. Or finalement c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. On le revoit dans la cage. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas sauver l'équipe à tous les coups. À un moment, il faut que la défense aussi soit présente sur ce genre de renvoi, anticiper un peu mieux. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Un super tacle et ce ballon est récupéré. Lina Magoul. Pérez. Ah, le pressing est haut, attention à ne pas perdre le ballon à cet endroit. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ramirez. Oh, il y a de l'espace dans ce couloir. Oh, c'est un bon ballon ça. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Et encore un arrêt à mettre à son actif. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Et attention à cette frappe. Oh, la bonne parade. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Ballon capté sans problème. Pop. Magoul. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Alexandra Pop. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux. Le contre est possible. C'est bien parti. Et voilà le but. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Magoul.
très bonne défense. Et ce ballon est repris. Ouais, bien donné, bon coup d'œil sur ce ballon. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Une très bonne intervention là pour écarter le danger. Il y a un contre possible à jouer là. Robert Dorf. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Aucun problème pour se saisir du ballon. Excellente couverture de balle. Clara Bull. Et maintenant Pop. Excellent timing sur cette interception. Magoul. Jules Brand. Lina Magoul. Ballon pour Brand. Ah, la perte de balle. Le centre au second poteau. Arrêt exceptionnel. Le ballon écarté juste devant le but. C'est une parade des classes internationales. Et c'est donc une petite combinaison. Ouais, pas mal, il est dangereux ce ballon vers la surface. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Montoya. Et duel remporté en défense, belle anticipation. C'est un ballon de contre à jouer. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Ah, voilà qui est bien joué, elle ne perd pas le ballon. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Oui, le centre dans la surface. Ah, c'est bien défendu ça, le danger maintenant est écarté. Mais non, c'est rendu ça. Bull. Alexandra Pop. Et Alexandra Pop donne un bon ballon. Ouais, la parade. Coup de pied arrêté, joué en deux temps. Magoul. Attention la frappe. Oui, joli réflexe. C'est joué court. Et c'est un ballon qui est dévié. Corner donc.
le corner. Et c'est dedans! Le but pour le doublé est magnifique! Il n'y a pas de secret! Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent! Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles! On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond du filet. Magnifique! Ah, le jeu reprend, le score est de parité, partout. Ah, sous pression, mais le ballon est toujours dans ses pieds. L'occasion de prendre l'avantage. Et c'est dedans! Le but qui leur permet d'être à nouveau en tête. Il va falloir maintenant conserver cette avance. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Et suite à ce but, ça fait 3-2 pour l'instant. Carabule. Ça arrive pour Hout. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Alexandra Pop, la frappe est bien contrée. Il y a un contre possible à jouer là. Le contre était bien parti mais ne donne rien. Bulle. Ballon pour Debrit. Parfait ce tacle dans la surface. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. C'est le début de la seconde période dans ce match de Coupe du Monde. Ah non, ce ballon est perdu. Un face-à-face à négocier. Et le ballon est renvoyé, attention. Tranquille. Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Voilà, ce centre avec pas mal d'application. Non, ça ne donne rien. La défense dégage le ballon.
Pop. Ça joue avec Debritz. Et une occasion de contre à négocier. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. Et voilà, ça sort en touche. Ah, super, le ballon donné dans la profondeur. Oh, le réflexe sur ce ballon. En deux temps. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ramirez. Par-dessus, c'est très bien joué ce ballon. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Ballon intercepté, bonne intervention. Ah, le plongeon pour sauver ce ballon. Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Le corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Les adversaires pressent. Voilà, ça c'est un bon centre. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. Pop et ballon dans la profondeur. Et non, finalement, ça n'apporte rien. Vanegas, Montoya. Oh oui, la frappe. Oui, c'est contré, bonne défense. Brand. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Out. Schuller. Et voilà, le bon ballon dans la profondeur. Pop. C'est un ballon parfaitement maîtrisé. Léa Schuller. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Allez, c'est bien joué, ballon par-dessus. Et ça peut être dangereux. Eh oui, le bon réflexe.
Le changement est demandé et il a lieu. Corner. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Le centre vers la surface. Quelle action splendide! Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher celle-là. Quelle magnifique parade! Brand. Ballon pour Brand. Alexandra Popp, un bon contre à jouer peut-être. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Tir contré sans difficulté. Elle s'est envoyée vers la surface. Allez, c'est une excellente intervention pour les dépossédés du ballon. C'est un ballon intercepté. Pop. Allez, le plongeon est nécessaire pour intervenir. Et c'est donc une petite combinaison. Alexandra Popp. Mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser? C'est invraisemblable. Tout le monde se prend la tête dans les mains. On les mains dans la tête. Bedoya. Sur le côté, un bon coup à jouer peut-être. Allez, devant le but, il faut frapper. Et il y a un moyen de frapper là. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Allez, ça joue simple, en attendant, en espérant l'ouverture. Et un ballon renvoyé par la défense. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Magoul. Et ça revient sur Pop. Ça arrive pour Hout. Schüller. Ouais, super geste défensif sans commettre de faute. Ouais, hors-jeu, c'est hors-jeu. Aucun souci pour Froms là-dessus. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Oui, la belle incursion là. Et attention, à ce centre. Le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Et oui, le tir. Pas de problème pour Froms. Dorsoun.
Avantage, l'arbitre laisse jouer. Pop. Magoul. Ça joue avec Debritz. Les derniers instants, l'équipe pousse pour essayer d'égaliser. Pop. Le ballon en touche. L'arbitre avait bien noté cette faute au départ. La preuve avec le carton jaune. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. La possession change de camp. Santos. Magoul. Dernière offensive et peut-être un dernier bon ballon à utiliser pour égaliser. Ouais, très bonne conservation du ballon. Ah, la défense, elle est sous haute pression là. Bon positionnement, le ballon est récupéré dans le camp adverse. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Il faut venir l'aider, attention. Ouais, c'est bien fait, la protection de balle. Banegas. Ouais, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Et l'arbitre indique 3 minutes minimum d'arrêt de jeu. Excellente conservation du ballon. Ouais, la jolie passe dans la profondeur. Et la prise de balle dans la profondeur. Du monde disponible à la tombée du ballon. Oh oui! Ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout. L'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et oui, ensuite, ce genre de possibilité à 2 contre 1, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Quatre buts à 2 au tableau d'affichage. Voilà, c'est terminé et donc les joueuses qui remportent ce match de Coupe du Monde. C'est une magnifique performance de leur part. Quand on pense au déséquilibre de cette affiche au départ, finalement c'est bien les meilleurs qui l'ont emporté, mais pas vraiment dans le sens qu'on pensait. Cette qualification est une très grosse surprise.